Good morning, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Moriver, Bishmoel, Ben Shlomo Zalman, Yaakov, Ben Aïcha, Nissim, Ben Ahouda, Sarah, Batran, Rachel, Shlomo, Ben Esther, Yisha, Batrim, Nechemia, ainsi que le Fouat, Avraham, Uri, Ben Reout, Betor, Shah, Chol, Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions la Sechet Zivachim, Perek He, Mishnah, Chet, la dernière Mishnah du célèbre Perek de Ezeum Mekoman Shel Zivachim. Abechor, Veama Aser, Vea Pesach. Kadashim Kalim, Shchitatan Bechol Makom Ba'azara, Vedaman Taun Matana Achat, Ubilvad, Shiiten, Keneged Ayesod. Shina Ba'achilatan, Abechor Ne'echal HaKohanim, Ve'amaser Lechol Adam, Ve'ne'echal Ayin, Bechol Ayir, Lechol Adam, Bechol Ma'achal, Lishnei Yamim, Ve'layla Echad. Apesach, Anon Ne'echal Ela Ve'layla, Ve'non Ne'echal Ela Ad Chatzot, Ve'non Ne'echal Ela Lemnuyav, Ve'non Ne'echal Ela Tzali'i. Dernière série des Kodashim Kalim, qui sont encore plus légers que tous les autres Kodashim Kalim. Ouais, on avait donc trois grandes familles générales. Les Kodashim Kodashim, les Korbanotes qui sont ultra kadosh. Il y a des halachot et des restrictions très rigoureuses. Ne pas sortir de la Hazara, égorger nécessairement Batsafon au nord du Misbéar, dans la partie nord. Et... ça c'était pour les Kodashim Kalim. Après il y avait les Kodashim Kalim, mais qui avaient quand même une singularité, c'est qu'il leur fallait Shtaim Shanarba, il fallait donner donner du sang sur les quatre faces du Mizbeach. Shtaim, deux endroits qui formaient quatre, parce qu'on faisait ça en diagonale. La Mishnah maintenant, dans la dernière Mishnah, on va découvrir trois Korbanot où il suffisait juste de donner une seule fois, un seul matan d'âme, Kenegada Yesod, là où se trouvait le Yesod. Vous vous rappelez qu'on avait appris dans ce dessin-là, on avait expliqué que c'est une vue d'avion, avec, là on voit le toit du Misbéar, là on voit le, en pointillé j'ai fait le Yesod, le Sovev, c'est là, le rebord où est-ce que le Kohen partait faire le tour pour déposer le sang de la Khatat, on apprendra encore dans le prochain Perek qu'est-ce qu'on faisait encore sur le Sovev, d'accord. Et là ce qu'on voit en bas, hein, c'est justement le Yesod, le socle du Misbéar, qui était une hauteur de une amma. Et pour vous rappeler, on avait dit que dans la partie, dans le coin Drom Mizrach, sud-est, Mizrachi Dromit, là-bas il n'y avait pas de Yesod, parce que c'était construit sur la parcelle de Yehuda. Ça c'était la parcelle de Yehuda. Il fallait nécessairement que ce soit l'essence soit donnée dans la parcelle qui appartenait à Binyamin, dans le partage d'Israël dans les 12 Juatim. D'accord, c'était pour rappeler. Donc, en fait, pour donner les trois corbanotes qu'on va voir, il y a juste verser une fois aspergé du sang sur le misbéar, mais nécessairement là où se trouve le yesod. Donc, pour exclure cet angle-là de Mizrachit Dromit. D'accord? Drom Mizrach, sud-est. D'accord? On pourra mettre partout, mais pas là. Et c'est ce que la Mishnah nous dit à Bechor. Alors, trois sortes de corbanotes. Le Bechor, qui est le premier-né, l'ouverture de la matrice de l'animal. Autant que la Torah nous a demandé de sanctifier le Bechor humain, le Bechor des animaux, et même le Bechor des ânes aussi. Pour les ânes, il fallait le racheter sur ensuite un mouton. Et donc là, on parle du Bechor animal que l'on peut apporter sur le corbanote. Donc ça peut être l'aîné d'une vache, l'aîné d'une brebis ou d'une chèvre. Ces trois corbanotes ont un statut de Bechor. On apprend ensuite qu'est-ce qu'il faut en faire plus précisément. Pour le Mélamisha, pour le moment, nous dit à Bechor, Vama Aser, prélever le dixième des animaux, des troupeaux, des nouveaux-nés de l'année. Dans l'année, on se fixait, je crois que c'était fixé en Elul, si je ne me trompe pas. Elul, ça représentait le début de l'année pour les Maaser Bema. Il faut voir dans la Mishnah de Arba Jejanim, j'ai un peu oublié, est-ce que c'est fin de Elul ou Rosh Hashanah elle-même. Non, je crois que c'est plutôt Elul. En tout cas, concrètement, on a le Maaser. Si j'ai eu par exemple 10 nouveaux-nés dans l'année, eh bien, il faudra que je les prélève. Et le dixième sera donc le Asiri et Kodesh. La Torah nous a dit, le dixième il sera Kadosh. Ok? Abechor va Maaser, la Pesach et aussi le Korban Pesach. Le Korban Pesach que tous les Bnei Israël venaient en groupe, en famille, pour égorger l'après-midi du 14 Nissan, on récupérait le sang, on l'aspergeait. Alors, tout cela, ce sont des Kodashim Kalim. Ils ont un niveau de sainteté légère, encore plus légère que les précédents, en fait, que les Shlamim. Et Shritatan Mechol Makom Ba'azara.
puisqu'ils sont de niveau léger, alors on pourra les égorger dans tous les endroits de la Hazara. On ne sera pas limité dans le nord. Ok? Vedaman taoun matana achat. Et leur sang nécessite juste matana achat. Un seul don de sang. De sang. Une aspersion sur le misbeach. Aval, attention. Obilvat shiten kaneged ayesod. À condition toutefois qu'il verse le sang, qu'il asperge le sang. Là où keneged ayesod. En face du socle du misbeach. Là où il y a le socle en dessous. Donc à partir de là du mur, on peut faire tout le tour où vous voulez. Juste pas dans ce coin. Ok? Ensuite, Shinna Ba'achilatan. Pour ces trois korbanot, la différence est, se fait uniquement dans ceux qui vont consommer le korban. Parce que, Habechor Necha la Kohanim, le Bechor, lui, se fait consommer par les Kohanim. Le Bechor, je devais l'apporter au Beth Amikdash et le donner aux Kohanim, et c'est les Kohanim qui l'apportaient et ensuite qui se le partageaient, qui le mangeaient. Et après, comme on va voir tout de suite, il pouvait être mangé dans toute la ville, comme ce que la Mishnah va nous le dire. Mais d'abord, il nous fait juste la différence. Que le Bechor n'est consommé que par les Kohanim. Tandis que le Maaser, le dixième, l'animal dixième, une fois que j'ai prélevé les dix nouveaux-nés de l'année, que je vais en apporter un, et le faire en sacrifice au Beth Amikdash, eh bien lui, Nechal Lechol Adam. Lui, il est consommé par tous les hommes. Et il n'y a aucune part à donner aux Kohanim, à la différence du Shlamim. Et ensuite, la Mishnah nous dit, pour le Bechor comme pour le Maaser, Venechalin Bechol Ha'ir. Ils pourront être consommés dans toute la ville de Jérusalem, etc. L'Echol Adam, par tous les hommes. Bechol Ma'achal, quelle que soit la manière de le cuire, que je le fasse griller, frire, bouillir. L'Ishne Yamim Velaila Echad. Je suis délimité dans le temps par deux jours et une nuit au milieu. Ok? À la différence de Pesach Enon Echal Ela Balaila. À la différence du korban Pessah, qui n'est consommé que durant la nuit. C'est-à-dire, on l'égorge l'après-midi du 14, mais on n'a pas le droit de le manger jusqu'à qu'on arrive à la nuit. Et tu le manges pendant la nuit uniquement. Et même mieux que ça, Chachamim, on fait une limite. Il n'est consommé que jusqu'à la minuit. C'est une xéra, un décret des Rabbanan, de peur que l'on va déborder, comme ce qu'on avait expliqué. Pour tous les korbanot, il faut toujours les finir avant Chatzot. Et il n'est consommé, manger que par celui qui a été nommé, dénombré dessus. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'on faisait un korban Pessah et que, une fois que j'ai fini le korban Pessah, je cherchais des invités à venir manger avec moi. Eux, ils n'avaient pas le droit de manger. Il fallait nécessairement se faire recenser sur le korban. On avait dit qu'on allait tous les 10 ensemble s'associer pour manger un korban ensemble. Donc ça y est, on achète ensemble le korban. Et ensuite, on l'apporte pour nous. On n'a plus le droit de quitter, de changer de groupe. On s'engage à rester ensemble. Donc, Venon Echal est là, l'imnouyav, que par ceux qui sont manouilles. En hébreu moderne, le mot manouille, c'est un abonné. C'est le même principe, c'est celui qui a été recensé dessus. Venon Echal est là, tsali. Et il ne pourra être consommé que s'il est grillé. Altochlou, mimenu na, ou bachel, mouvushal, mbamaim, kim tsliyesh. La Torah nous dit. Dans la parchemine du corps de Pessah, vous ne pouvez même pas le faire manger cuire. S'il a été cuit qu'à moitié, ça ne suffit pas. Il faut le faire bien cuire au feu et ne pas le faire bouillir. Et on a fini. Bezrat Hashem, ce perek. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.